Karikana now, but it's my name, it's come out Stuttgart. And it's Roy Mish Ima of this Runde Susan. There's working out his eine Frage and so also I speak in English. Have das ist alles in Ordnung, welche Sprache Sie auch immer wählen. I think I would be a little bit smoother if I go in English. We seem to discuss effects and not the causes. And this is the style the European left for us. And I think that Africa have a problem. Africa have ideology which says that divide, we stand. Unite, we fall. I can say that this was not introduced in Africa by the Europeans. They saw it, they work on it, they use it and misuse it. Even I have heard in a lecture that is been given this morning, referring to ancient Egypt. Why shouldn't we say Kemet? Because this ancient Egypt is confusing. People on the street like myself would not understand what is ancient Egypt. But if you get to Kemet, it is explained that it was 100% a black country. And Nubians were the majority. So why do we still describe ourselves in this term? And I think that this divide and rule, the British saw it with us, because if we were standing together, the Europeans who first entered what we call now ancient Egypt were not as strong as today. If we were united, we could have pushed them away. In fact, I have seen... Ist das Ihre Frage oder beantworten Sie Ihre Frage? The Frage is still concerned on our divisivity. The African is too divided. Mm-hmm. We have seen what has happened in Libya. Yeah. It may still happen in Zimbabwe. Mm-hmm. Why? What is the reason that Africans don't want to stand together when anything happens, everyone are standing apart? That makes us very weak. Thank you very much. Thank you. Moi, je m'appelle Konaté Salias, je suis de Vienne. J'ai une question au professeur Obenga, ce qui concerne l'égyptologie. Parce que j'aime bien suivre tout sur l'Égypte, c'est très fascinant. Mais le fait de toujours, aux forums africains, de se référer à l'égyptologie et à la gloire de l'Égypte, n'est-elle même pas en soi une manière de dire que nous n'avons pas d'autre chose à montrer, puisque en réalité... Et dans la conception même du monde, on ne nous considère pas, nous, Noirs africains, comme Égyptiens. Et d'ailleurs, quand on discute avec certains Égyptiens, ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on les appelle Africains, ils disent qu'ils sont Maghrébiens. Et donc, il a pris des exemples tels que le Mali, le Congo et autres, où il y a eu de grands royaumes. Tout récemment, on nous parlait de Kankan Moussa, qui est l'homme le plus riche qui ait jamais existé au monde. Pourquoi toujours se référer à l'Égypte, qui n'est pas 100% l'histoire de l'Afrique noire? C'est ce que je vois. C'est la question que je me pose toujours. Pourquoi l'Égypte, alors qu'il y a d'autres où soit on n'a pas fait de recherche? Pourquoi? Vielen Dank.
Merci au professeur Obenga de nous avoir brossé l'histoire de la vie en Afrique en moins de 5 minutes. Il n'y a personne dans ma vie qui m'a déjà fait ce travail. Et je suis très émotionnellement touché par cela et je lui dis d'abord merci. Brosser l'histoire de la politique, de la vie politique d'un continent en 5 minutes, en 3 minutes, en partant de l'esclavage, et on parle de multipartisme. Après le multipartisme, il y a encore quoi que je sais. Cela m'a beaucoup touché et j'ai une question à poser. Je ne savais pas que je suis un Khmer. Maintenant que je sais que je suis Khmer, que faire pour que les autres me comprennent que être Khmer, c'est rentrer à se unir les idées pour les États-Unis d'Afrique? Comment faire? Ma question s'adresse aussi au professeur Obenga. Je commence d'abord par présenter mon humble personne. Je m'appelle Kitoko. Je suis, le docteur Birolo m'avait déjà présenté. Je suis ancien de la ville de Munich. J'ai fait mes études ici et j'essaie de faire tant mieux que je peux quelque chose pour l'avenir de l'Afrique. La question au professeur date d'avant-hier, quand on est allé l'accueillir à l'aéroport, et ça résume juste sur la décision politique à prendre pour les États-Unis d'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Parce qu'on ne peut pas aller dans la rue, faire des démonstrations et dire qu'on est maintenant les États-Unis d'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut concrètement poser comme acte afin que cela devienne effectif? Dankeschön. So, jetzt haben wir die letzten beiden Fragen nicht übersetzt bekommen, aber ich hoffe, dass die Herren, an die es gerichtet ist, oder die Fragen gerichtet sind, es ja verstanden haben. Wollen wir mit der ersten Frage, wer möchte denn anfangen? Who would like to start with the first question? The first question is, why is Africa not united? The second is, why is it always Egypt? Can I say something to the first question? Yes, sir. Okay, it wasn't directed directly at me, but I would like to talk about the power structures that we are subject to here in Europe or in the West in general. And I think that that is one of all over major problems that we have. It's totally independent on where our focus of research is, if it's like me on the diaspora, especially Germany, or on other geopolitical regions that were mentioned. I think that we all face the same matrix of how to approach different topics, especially in sciences, and also how to create transfer lines to politics and to society. Well, I'm speaking as a sociologist, especially because the research is no use if it doesn't come back to the people. So that is something where I think to go to your question of why are we talking about Egypt? Why are we not talking about Kemet? And I think that it came through in both presentations before me that this is the knowledge. Well, what I tried to focus on in my presentation, the knowledge that we get laid out and that we have to deal with first. We have to kind of like get through that maze first to be even able to reach to where we want to research or to what we actually want to do, to find a ground, to find a basis on where to practically restart what we're doing. That would be my approach to your question. Oui, avec la permission du professeur Obenga, je vais tenter de répondre à notre frère. Le problème que vous avez est dans les prémices même de la question.
vous affirmez que l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique noire. Ça, c'était la première question. Et même la deuxième, vous êtes revenu de nouveau sur la même thèse, qu'il faudrait qu'on parle de Monomotapa et des autres noms de l'Égypte, qui ne fait pas vraiment partie de l'Afrique noire. Qui vous dit que l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique noire? Et ce sont les vieux Africains qui vous le disent. Parce que nous avons entendu d'autres versions. Là, je parle de la population rurale, la mémoire collective des peuples africains, qu'ils soient du Cameroun, du Congo ou des Zoulous, leur mémoire collective part de la vallée du Nil. Donc l'Égypte fait partie de la mémoire historique de vos peuples respectifs, alors vous ne pouvez pas détacher l'Égypte de cette histoire. Et l'Égypte s'est définie, d'ailleurs, l'Égypte même vous a répondu à cette question à travers le mémoire, ou ce que j'appelle le testament de l'Égypte antique, qui est le testament de Plutarque. Enfin, c'est Plutarque en tant que grec qui a écrit le message que l'Égypte vous a laissé. Les États-Unis d'Afrique existaient. L'Égypte s'est positionnée comme étant le cœur dans l'œcumène méridional. Lisez, il y a le terme de l'œcumène méridional, donc de l'écumène du sud qui s'arrête là où s'arrête les Nils, quand les Nils, là où les Nils meurent. Donc cette partie est déjà définie dans l'Antiquité et même dans l'Antiquité grecque, donc comme étant un tout, donc l'écumène, donc la civilisation du sud, les États sud. Et si vous aviez peut-être suivi l'histoire de l'Égypte antique, vous savez que dès la fin du 4e millénaire avant notre ère, les premières sources écrites que nous avons, quand on parle de la description donc des expéditions de la défense militaire de l'Égypte antique, ce n'est pas seulement l'Égypte telle qu'elle est sur les cartes d'aujourd'hui, mais c'est plutôt la coalition qui comprend la Libye, donc la partie qu'on appelle aujourd'hui la Libye, et la partie qu'on appelle la Nubie qu'on a évoquée. C'est toujours en tant que tout et en tant qu'entité que l'Égypte a pu repousser les agressions qui venaient du nord et au nord de l'Égypte, donc qui venaient du côté de la Mésopotamie et autres. C'est en tant qu'unité, qu'on ne vous dise pas que l'Afrique était désunie. Non, on est venu désunir l'Afrique. Vous pouvez aller contrôler. Avec quel détail on décrit même la connaissance de l'Afrique qui avait une seule armée, qui comprend, quand on dit la Libye, donc c'est du côté occidental, et quand on dit la Nubie, c'est le Congo, c'est une façon tout simplement de parler qu'on dit de la Nubie. Donc tout ce monde en tant qu'entité, non seulement que les anciens Égyptiens sont venus du Congo, donc de l'Ouganda, donc l'Égypte est une colonie du Nil, enfin une colonie de l'Éthiopie. C'est ça que l'histoire vous raconte. Donc vous ne pouvez pas, et d'aucune façon, nous avons quitté l'Égypte vers les années 650 avant Jésus-Christ, non, avant notre ère, je n'aime pas l'autre expression, avant notre ère, il y a eu l'exode. Les pharaons ont quitté l'Égypte, ils sont rentrés. Bien sûr, les égyptologues d'ici tentent de dire oui, ce sont les pharaons soudanais ou éthiopiens, etc., qui sont rentrés chez eux. Non, c'est faux. La capitale de l'Égypte a été déplacée vers Napata
Et après Napata, vers Meroé, il faut même se demander ce qu'est Meroé. C'est réellement Meroé qui est près de Khartoum ou c'est Meroé qui est la Malawi? Ce n'est pas si clair. On joue parfois avec les termes. La capitale a été déplacée. Donc la population, l'élite, l'intelligentsia est rentrée au centre, je dis souvent, est rentrée vers l'Ouganda et le Congo pour que vous puissiez vous imprégner cela. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui parlent, oui, merci, parlent de leur unité. Donc, connaître cela, c'est important. L'histoire après cet exode, donc il faut retenir, après cet exode vers le sud et vers l'ouest, dont les Bassa et autres, les populations de Cameroun, Nigeria, vous racontent, après cet exode, c'est en ce moment-là que cette histoire glorieuse continue avec les empires de Mali que vous aviez cités, donc le Ghana, donc des Monomotapa et autres, ça montre la continuité de la grandeur africaine. Madame, avec votre permission, je réponds à celui qui a parlé de l'Afrique qui était divisée. L'Afrique n'a pas été divisée. L'Afrique est divisée dans le processus de la colonisation. C'est la colonisation qui a divisé l'Afrique. Vous avez, par exemple, pour prendre le Congo, les grands empires de Makoko, l'empire du Congo qui part du 22e degré de parallèle sud, donc au nord de la Namibie, et qui allait jusqu'au Gabon, chez le Pongwe et autres, donc au sud du Cameroun. C'était un empire. Vous avez l'empire le royaume de Matamba qui a été évoqué, les Kasangi, les royaumes de l'empire, moi je l'appelle empire, l'empire de Mwenamwezi, qui part du sud de l'Éthiopie actuelle, donc du Soudan, et qui allait jusqu'à Monomotapa. Donc ce sont des constructions que l'Europe n'avait pas. Un continent déjà uni, qui a été désuni par les frontières coloniales et la mission de groupe du panafricanisme, c'est effectivement de contribuer à la renaissance de l'Afrique. La renaissance de l'Afrique, c'est la renaissance de l'Afrique unie, de cette Afrique capable de se défendre. Les Zoulous prennent l'arme quand Kadhafi est attaqué, quand la Libye est attaquée. Qu'on ne vous trompe pas, l'Égypte d'aujourd'hui est aussi noire, la Libye est aussi noire, l'Algérie est aussi noire, Mauritanie, ce sont nos pays, c'est notre terre. Et combattre comme on a combattu au 4e, 3e millénaire avant Jésus-Christ, une seule force de frappe, c'est ça que le professeur vous a demandé. À cette Afrique, c'est cette Afrique qu'il faut construire. Je vous remercie. Très rapide. Très rapide, Maui. À propos des noms, les Arabes actuellement n'appellent pas l'Égypte Égypte. Ils ont leur mot. C'est Misre, comme les Hébreux, Misraïm. Bon, le mot Égypte est un mot grec. Et du coup, l'Occident l'a adopté, c'est devenu un mot universel. Mais avant le 7e siècle, il n'y a pas un seul arabe sur le continent africain. Il n'y en a pas. Donc ils ne sont pas tout le temps là en Égypte, ils sont venus de là, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, et puis traverser l'Espagne jusqu'à faire l'Espagne arabo-musulmane, d'Avicenne à Véroès, etc. Et de là, aller jusque même chez les Sarrasins avec Roncevaux, Roland. Et donc, les Arabes, pour ainsi dire, ne sont pas natifs du continent africain. Ils sont là vers 670, pas avant. Voyez-vous ? Ça, c'est un point.
Deuxièmement, on peut dire Égypte, c'est une habitude. Bon, comme on peut dire Kemet aussi, c'est un peu récent. Ce n'est pas assez répandu, mais c'est une querelle de mots. Troisièmement, enfin, l'Égypte, parmi les civilisations anciennes, c'est l'une des plus glorieuses. Les pyramides sont là, les momies, toute la civilisation est là, on connaît les textes, etc., etc. Voilà pourquoi on se réfère à ça. Mais autrement, cela ne signifie pas que c'était vide ailleurs. Il y avait d'autres grands royaumes qu'on a évoqués tout à l'heure. Les Monomotapa, le Congo, toute l'Afrique, je vous ai dit, il y avait des royaumes de chefferie partout sur le continent africain. Mais les peuples agissent ainsi. Quand l'Occident n'a pas découvert ses antiquités, ce sont les arabo-musulmans, les Arabes, qui ont montré à l'Occident que leur racine était la Grèce. Parce que la civilisation, la philosophie grecque a été connue en Occident, pas par les Occidentaux directement, mais par les Arabes. C'est les Arabes qui leur ont montré leurs antiquités, ce n'est pas eux-mêmes. Et quand c'est les premières universités européennes ont été fondées par les Arabes. Les premières universités. Cordoue, Séville, etc. Ce n'est pas les Occidentaux qui ont inventé ces universités. C'est sur le modèle de Bagdad. C'était donc les... Maintenant, quand les Européens ont su que leurs ancêtres, c'est les Grecs, ils ont dit qu'on n'a plus besoin d'Arabes, on va directement connaître nous-mêmes. Et ils ont développé les antiquités gréco-latines, grec-latin. C'était leur base. Et c'est l'antiquité païenne. Ils ont fait la philosophie, etc. Avec le christianisme, ils ont pris la Bible. Donc, ils ont comme fondement de l'humanisme occidental, hein, ils ont l'héritage judéo-chrétien, gréco-judéo-chrétien, c'est-à-dire l'héritage gréco-latin, l'héritage juif, judéo, et puis chrétien, le christianisme. C'est ça. Et leurs propres ancêtres, c'est-à-dire les Gaulois, les Celtes, les Germaniques, les druides et tout, ça a été oublié. Le christianisme a rasé tout ça, ça n'existe plus. Ils ont pris, même le zéro arabe, ils ont pris beaucoup de choses, les mots comme algèbre, c'est arabe, ils ont pris beaucoup de choses, l'alchimie, alchimie, alchimia, la chimie, ils ont pris tout, ils sont développés comme ça. C'est comme ça que font les civilisations. Donc il n'y a pas à se complexer. Le retour à l'Égypte, c'est le retour à nos ancêtres, comme nous le voulons, puisque ce sont nos ancêtres à nous. Bon, mais ça, c'est, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Nous devons développer l'Afrique de demain. C'est aussi notre devoir, ainsi de suite. Mais il y a une continuité qu'il ne faut pas rompre. Et on a parlé de continuum qu'il ne fallait pas rompre. Dankeschön. So, wir werden jetzt die nächsten vier Fragen sammeln. Und dann bitte ich Sie, wir möchten so viele Fragen und so viele Diskussionen haben. Wie es gibt, ja? Ja, geht sofort los. Wir haben, ja, bitte. Ja. Ihre Frage wurde nicht. Sie hatten die. Handlungsperspektiven. Vielen Dank. Der Herr da hinten. Bonjour à tous. Je souhaiterais remercier les intervenantes et les intervenants. Ma question est la suivante. Faut-il replacer les langues africaines dans l'enseignement, donc dès l'enfance, et dans la recherche scientifique? Et si oui, quel rôle peuvent jouer les médunétaires, c'est-à-dire les hiéroglyphes, dans l'enseignement. Merci. Voilà, donc moi je dis bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Madou Sako, je suis de Burkina Faso. Moi j'ai une petite question aux organisateurs de
Pan-African Congress. Je vais tout simplement dire pourquoi jusqu'à nous sommes au cinquième année. Et jusque-là, cette organisation n'est pas assez connue chez les Africains, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour... Parce que si je regarde la salle, je connais pas mal des Africains qui sont ici, qui aimeraient peut-être bien être là, mais... Donc, qu'est-ce que vous avez programmé pour que la prochaine fois, on a plus en plus du monde, pour que cette association soit encore plus connue? Voilà, donc, c'est la question que je me pose, parce qu'il y a pas mal d'associations ici, il y a des Maliens, associations de Burkinabés, associations des Sénégalais. Mais la seule qui peut nous réunir, nous tous, autour de l'Afrique, je crois, c'est le Congrès panafricaniste. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez entrevu pour pouvoir bien s'organiser pour ça? Merci beaucoup. Dankeschön. Ich habe folgende Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Das ist jetzt allerdings auch schon so ein bisschen angeklungen in anderen Fragen. Mir fehlt der ökonomische Teil der Überlegungen, so wichtig ich die Wiedererlangung über die Geschichte Afrikas finde und auch unglaublich spannend. Nur konkretisieren kann man es nur mit einer ökonomischen Strategie. Und da nochmal ganz konkret die Frage, welche strategischen Vorstellungen überhaupt bestehen, eine Union oder einen Binnenmarkt in Afrika aufzumachen. Und dabei habe ich dann noch die andere konkrete Frage, das geht auch in die Richtung der letzten Frage. Welche Perspektiven bestehen im Hinblick auf Zusammenarbeit mit europäischen oder hier auch deutschen Organisationen, um überhaupt ökonomisch, strategisch das auch ins öffentliche Bewusstsein hineinzubekommen, wie wichtig das ist, dass in Afrika überhaupt ein eigener Binnenmarkt entsteht, als Voraussetzung, um überhaupt von Panafrikanismus, denke ich, langfristig sprechen zu können. Wir haben jetzt vier Fragen. Die erste ist von der letzten Frage, und zwar, was können wir tun an Handlungsperspektiven? Wer noch? Ja, das geht als nächstes. Wir haben vier Fragen, oder soll ich noch? Noch mehr? Okay. Millicent, we have a question this side as well. Bonsoir, moi c'est Bara, j'ai une question à Madame Afiong, Afiong qui a fait le développement sur les chercheurs africains. J'ai trouvé ça très intéressant, mais maintenant moi je vois, il y a une chose que j'ai trouvée, tous ces chercheurs qu'elle a cités, ce sont des gens qui ont été dans des universités américaines. Je n'ai pas trouvé qui ont trouvé quelque chose dans les universités africaines. Et ce que je vois, c'est que les Européens, ils ont fait, même, ils sont allés en Égypte, aller chercher la connaissance. Et nous, on n'arrive pas à faire le chemin inverse, de venir soit en Europe, ou de prendre la connaissance que les Européens ont en Afrique pour pouvoir développer nous-mêmes nos concepts. Et qu'est-ce qui freine ça? J'aimerais bien savoir. Pourquoi est-ce que celui qui trouve quelque chose, c'est peut-être qu'il a fait une université en Allemagne ou aux États-Unis, mais pas une université en Afrique. Et pourquoi est-ce que nous-mêmes en Afrique, on ne peut pas, avec nos chercheurs, trouver quelque chose pour développer le continent? Est-ce que je ne comprends pas? Est-ce que le blocage, c'est dû à notre langue ou parce que on est trop, on a une éducation dans une autre langue? Où est-ce que, où se trouve le problème? Qu'est-ce qui arrive qu'on n'arrive pas aussi à trouver, à partir de l'Afrique, faire le chemin inverse, venir en Europe par exemple, et prendre la technologie pour développer l'Afrique? C'était ma question. Merci. Bin ich dran? Ja.
Gut, also ich bin schon vorgestellt worden. Also ich bin Frau Dr. Herzberger-Fofana nochmal. Ich habe drei Fragen. Meine erste Frage, mein Vorredner hat es schon gestellt. Es ging mir um diese Wissenschaftler, um Forscher, afrikanische Forscher. Ich habe mich auch gefragt, wie kommt es, dass wir gesagt hat, die Madame, keine einzige Forscher vorgestellt haben, die in Afrika selbst irgendwas erfunden hat. Also ich kenne auch ziemlich viele Forscher und Wissenschaftler, afrikanische, aber die haben alle in Europa, wie er gesagt hat, studiert. Meine zweite Frage, Elia, Monsieur Obenga, Monsieur le Professeur. Non, j'attends qu'il se taise. Oui, je lui dis en français parce que j'aimerais qu'il se soit bien compris. Les fouilles archéologiques du 21e siècle ont prouvé que l'on a trouvé à Kerma, on a trouvé des statues de pharaons. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on a réussi à identifier ces statues-là? Qui étaient ces pharaons-là? Meine dritte Frage geht an Dr. Kelly. Es geht mir um die Afrokultur. Ja, ich habe selbst also sehr lange an der Universität und dann in der Schule unterrichtet. Und meine Frage lautete an Afrokultur, wie meinen Sie, können wir diese Afrokultur verbreiten? Zumal diese Afrokultur geht zu sehr, meiner Ansicht nach, in eine Richtung Frauen. Es geht sehr oft um die, wie könnten wir dann vielleicht mal auch das Ganze, also das ganze Spektrum darstellen? Vielen Dank. Jetzt haben wir ganz viele Fragen und ich wiederhole, was können wir... Ja, klar, bitte. Bitte. Everyone, yes. Just pick up. Just take one of the questions and just... Well, I'm not sure which question this is addressing. I just had some notes. It's very important. One of the things that defeats us as a people still is the fact that we're trapped, some of us in false consciousness, but the vast majority of us in no consciousness. And if there isn't the relevant and sufficient amount of consciousness to activate, you know, your mind and guide, you know, your actions, you can't do very much. And there's also the simple question of survival. The vast majority of us are still operating on survival mode, which are essentially economic issues. So you still have economic structures, you know, that hold down our economies, our societies. It's not just the fault of white supremacy, it's also a question of neocolonialism, this new kind of colonialism that, you know, has replaced leaders with rulers. So we're now ruled by criminals, a criminal class that works in association with its fellow criminal class in the West. So these are the things that hold one down, you know, and then they implement religions, you know, ethnicism, structural issues of society. For example, our rulers, our neocolonial rulers, extract the wealth from Africa and, you know, relocate it in Europe along, you know, with the relationship of the European states. And when I say Europe, it also means America, because the Americans are also Europeans. I'm referring to the white folks in America. So it's a white supremacist power structure in alliance with neocolonialism by African rulers. It's a powerful, potent force. And the only force that can smash through that is the power and the consciousness of the people. Nothing else can smash through it. And so sometimes it looks as if, you know, there's too much discussion and there's a lot of talk, but our work, a critical part of our work, is going to be to raise the consciousness of our people. And if that work hasn't been done, you might have a Professor Benga trying to do this or one other person trying to do that. If they take him out today, that struggle is finished. And this is what has always happened with our movements, that it, you know, we locate everything within a single leader, a Machel, you know, a Cabral, an Nkrumah, a Malcolm X, you know,
And then they get rid of these people and the movement collapses. Why? Because unlike a Fidel Castro type character, we haven't raised the consciousness of the mass. That's a challenge. That's a serious challenge. And that's one of the reasons why they hadn't been able to defeat Cuba. Because the consciousness of the average Cuban is high. The average Cuban understands the revolution and they've paid for it, but you know, they're still holding up their banner. Whereas for us, you know, we, our own messiahs are Jesus, Muhammad, and whosoever is the king of wherever we come from. So, I'm saying that our work, this question, and Stokely Carmichael, you know, who's also known as Kwame Ture, you know, a powerful organizer from the U.S., especially the young people in the room, go and Google his name, Kwame Ture or Stokely Carmichael. Listen to him. He's on YouTube. When he talks about the question of raising consciousness, of making the unconscious become conscious. Study that. But let me quickly go to other things. There's a lot of alienation, you know, with us. Africans who live in the West are terribly alienated. And those of us who live, you know, on the continent are just battling for survival. There's some African countries that you can't even have this kind of discussion that we're having. And there's some African countries that you can have that discussion in, like Ghana. But a lot of the African countries, especially the so-called Francophone countries, you know, they're essentially police states, even till now, 2015. Research. There was a question about research. You know, it's really interesting, and that's true. Both of you raised that question. But you see, if a people believe, at the end of the day, the battle is in the mind. The battle, the struggle, the revolution, the victory, the defeat, the success is in the mind. If the mind is not freed, you know, how will you know that you should travel all the way to go and do research? Let me give you an example with myself. My work, my area of focus is on the life of Kwame Nkrumah and the implications of all of that. You know, his life and his work was not just about him, you know. His work covers, you know, African liberation, you know, Congo, Nigeria, you know, all over and the world. Anyway, so my work takes me, for example, say to the US, you know, to go and get information from that part. And whenever I walk into any of the archives, you know, their archives are, they're either national or they have presidential archives. They always try and stop me physically. You know why? Because they're shocked to see a black person at their presidential archive. So they think that I've just made a mistake, that I've lost my way, and I mean to go. I'm serious. They think I'm wanting to go to the museum to go and, you know, visit, have a tour, or I'm looking for the public library. So they try and be very helpful to me. They say, no, 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 no. You're in the wrong place, you know? That's what, even before I've said anything to them, all the time it happens. So I had to ask one of the librarians, I said, why does this happen? He said, because we don't see black people here. And he gave me a percentage of African Americans they see and, you know, Africans, you know, they broke that down. It's zilch. But guess what? Our information in those archives are piled up to not, you know, it is unbelievable. And, you know, for me, like, even when I go and do work on Nkrumah, whenever I get to the files of the Congo and Lumumba, I have to push those files away. Why? It's too raw. The pain is so raw, I can't even deal with the Congo emotionally. The point I'm trying to share with you is that our history or our stories are located in their archives, okay? And yes, it's going to take a lot for us. For example, I'm not sponsored by anyone or any institution. So nobody tells me, oh, go and look for this information and you only have a budget. I don't work with budgets. You know, we do it the ancient African way, you know. You do what you got to do. Because if we work, it's precisely also because there are no budgets. And there are no budgets because there is no politics. And there is no politics because we're still in a state of defeat. So I'm saying that the issue of research is itself a political question, is itself an economic question, is itself a liberation question. And not until we fix the politics of our economies or the economy of our politics will we be able to answer a lot of these questions. And, you know, it's very frustrating. People say, oh, we're just talking and let's do this.
Even the people who ask these questions, like you and I, we are not involved in any form of organization. That's the other indictment on us as a people. And I like to bring the discussion down to the individual. We are not involved in organizations. But for some strange reason, we expect redemption. So even those of us that are not Christians or Muslims, you see that we are still religious. We expect redemption from some African Messiah that is going to drop down from the skies and come and liberate us. But we don't see our own selves as a part of that liberation process. So for me, whenever I ask any questions or I face any challenge, I bring the challenge back to myself. But what are you doing about it? How are you connecting? Because if you're not a part of the solution, you are a part of the problem. And even when we are passive, remember that we're speaking to us, even when we are passive, passivity, you know, to be passive, passivity is a political position. It's not neutral. It's not neutral. Non-activity is a political position. It's not neutral. So I say all this, you know, just to raise the stakes, you know, with us about what is the way forward. Can you imagine if we are able to raise the levels of consciousness and then we have backward leaders, you know, that try and hold us back, we will defeat them. But because, you know, we're still fragmented and we still see power, that's the other thing. At the end of the day, all what we've been talking about, whether it's Egyptology or, you know, whatever, it's just one thing we're looking for. And that's what all the questions are about. How can we get power? The power to change our situations. Now, one simple definition of power is the ability to define your reality. You see that as we speak today, imperialism is the only force that has the ability to define our reality for today. And it does define our reality. But on the other hand, there's a slogan that we add, and let me end with that. This slogan, it says, and it's a slogan, you know, of people in struggle. And, you know, I try and internalize it. Not I try, I internalize it. And I would ask that we also do the same. The slogan, it says, the people united can never be defeated. The people united can never be defeated. The people united can never be defeated. If we're able to begin this people-to-people networks, and that's why I come to such events. I don't come to just come and give a talk and have a night. No! I come to raise consciousness. I come to agitate your minds. You know, I come to agitate your mind. I come to provoke you. You know, I come to annoy people, you know, so that it makes us think. I come to challenge us. That's, you know, so it's us, not Professor Benga. No, he's already done his own work. It's about us. Sorry, I hope I didn't take too much time. Forgive me. Ja, ich würde ganz gerne direkt da anschließen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hätte es besser gar nicht sagen können. Also erstmal zu der Frage vom Kapitalismus, Rassismus, Kapitalismus, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und wie Audre Lorde einmal so schön sagte, you can't take the master's tools to dismantle the master's house. So if we want to make change, we're going to have to find a way to make change without using the master's money. Yeah, because he's not going to give us his money to dismantle his house. So that is number one. Yeah. Number two, to what you said, was du gesagt hast, ich switch jetzt gerade zwischen den Sprachen. Ich weiß nicht, ob ihr da hinten in der Kabine mitkommt. Ich finde, es ist total egal, aus welchem geopolitischen Teil dieser Erde unsere Inventors gekommen sind. Ja.
We are one family. We are the diaspora and the continent. We belong together. It doesn't matter if the one made that, the traffic light came from here and the next one who made that came from there. We are one of many people. And that is full stop on that one. Es ist so irrelevant, ja, weil das Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass ja dann vom Kontinent die Leute ja, gerade afrikanische Wissenschaftler, und ich sage jetzt afrikanische wirklich als Konzept, eurozentrisches Konzept, by the way, gedacht, ja, nach Europa kommen, gelehrt werden von weißen Professoren und zurückgehen auf dem Kontinent, um the master's white mind über den Kontinent zu spreaden. Ja, also letzten Endes ist ein... You get my point, ja? Ihr versteht schon, was ich meine, ja? Ich bin jetzt mal ein bisschen durcheinander. Also solange ich nicht mit Französisch anfange, dann versteht mich keiner mehr. Ich glaube, da liegt so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir aufhören müssen, unseren Gedanken, like Afion, like you said, stop chasing white patterns, yeah, white mind patterns, and create our own mindset and for our own people, yeah, and choose wisely which, yeah, I mean, I was talking about a garden just now, but it is a metaphor. Choose wisely which fruit you pick, what you eat, what you give your children to eat, yeah, how we feed and how we feed into the mind is really, really, really important for all of our futures to come, and especially what we eat also. Who planted what the seed we eat? Who planted the food, the knowledge that we are passing on to our children? Are we bringing up our children as conscious black people in a racist way, with a racist mindset? Are we really thinking about all these things? Because I think we should, yeah? And to the question about Frauen, yeah? Thank you very much for that question, yeah? Wirklich, also ich bin super dankbar, dass diese Frage kam, ja? Und zwar, ja, die schwarze deutsche Bewegung, die fing an in der Frauenbewegung, ja. Aber die Frage ist nicht, warum, sondern die Frage ist, wann werden wir von unseren Brüdern supported werden, ja? When are you gonna get our back, yeah? We're doing what we are here on this planet to do anyway. We bear life. We make life. We are creative mind. We are women. Yeah, each and every one of you come from a woman. So when are you going to get our back? Not why are we women doing what we're doing. We will do it anyway. Yeah, we learn multitasking. When are you men going to get our back? When are you going to stand back and really, really support us? Because we are the one that bear life. Yeah, that's the way. That's a perspective change that we need in our community. Yeah, that I'm serious. I'm not talking about white people in Europe. I am talking about Africa. I'm talking about Mama Africa, and she is black. Africa is a woman. So I want every man here to stand up to her, get her, save her. She needs saving. So, ich weiß nicht, ob wir alle Fragen schon durch haben. Also ich habe noch die Ökonomie und Strategie. Ja, Carly? So it's still... Please let us stay with the panel. And I know we're all excited and we're interested in what's being said. We want to engage, but please may we do it in an orderly fashion that also respects the contributions we each need to make. All Professor, right. Please. Oui, merci, thank you. Danke schön. Non, à propos de recherche, quand on fait la recherche, disons en Europe, en Occident, c'est une affaire de gouvernement. C'est une affaire de services secrets. Il y a la recherche, il y a des crédits. Le gouvernement commande telle recherche. On lui fait le rapport, il utilise le rapport pour ses intentions stratégiques, politiques, économiques, etc. Donc, le politique et la recherche sont très liés, la sécurité. Les moyens sont en conséquence, les infrastructures, les moyens intellectuels, les moyens financiers et la collaboration de tel pays à tel autre pays.
de tel laboratoire à tel laboratoire. En Afrique, la recherche, la politique ne s'intéresse pas réellement à la recherche. Ne s'intéresse pas à la recherche. En conséquence, il n'y a pas de crédit. Et en conséquence aussi, n'ayant pas de crédit, il n'y a pas d'infrastructure, de structure. Vous travaillez avec les microscopes binoculaires, alors qu'ailleurs, on travaille avec des microscopes nucléaires, à balayage nucléaire, etc. Voyez-vous ? Donc, l'équipement même manque. Ensuite, personne ne s'intéresse réellement. Vous envoyez vos rapports. On ne s'intéresse même pas à ça. Il n'y a pas un feedback dans la recherche. Bon, vous ne pouvez pas collaborer même à l'intérieur d'un même pays, d'un autre laboratoire, puisqu'il n'y en a pas même pas. Bon, la protection même sécuritaire n'est pas là. À tout moment, vos documents, vos dossiers, vos laboratoires, vos recherches, c'est à tout vent. C'est public, il n'y a même pas de secret de recherche, il n'y a rien même. Si bien que la recherche africaine n'est pas organisée, elle a des intentions, elle n'est pas organisée, n'est pas équipée, n'est pas financée solidement réellement. On donne un peu de crédit pour faire ceci. L'Afrique a des universités, ce n'est pas bien équipé. Il y a même des académies, c'est de nom. Il n'y a pas de journaux de publication scientifique, il n'y a pas de publication d'ouvrages en abondance. Il n'y a pas une activité culturelle, scientifique, intellectuelle de recherche. Ce n'est pas apparent. Donc, il faut qu'on organise la recherche, que la politique s'intéresse à ça aussi. On ne peut pas faire une politique sans recherche, aveuglement comme ça, sans dossier, sans études. Donc, études sociologiques, anthropologiques, économiques, statistiques, culturelles, il y a beaucoup d'études comme ça. Là. Même les SIDA, même on fait, il n'y a pas d'études. Il y a Ebola, tout, il n'y a vraiment pas d'études, à part les rapports de l'OMS. Il n'y a vraiment pas d'études, on n'en sait rien. C'est l'OMS qui informe les pays qui sont touchés. Les pays ne s'informent pas eux-mêmes directement. Il faut attendre les rapports de l'OMS. Ouais. Donc, il y a beaucoup de défauts. Il faut qu'on corrige ces défauts par... Les cerveaux existent. En Europe, il n'y a plus de facilité. Vous êtes dans une équipe, il y a les laboratoires, il y a les bibliothèques, il y a l'information, il y a les échanges. Il y a les dîners, il y a les rencontres, les recherches, il y a les missions effectuées, il y a les crédits. Et on voyage, on va aux États-Unis, on va en Corée du Sud, on se balade, on ne fait pas une recherche isolée. Et puis on publie, on lit les journaux en Afrique. On ne peut pas commander les journaux, il n'y a pas de crédit. On ne peut pas publier, il n'y a pas de crédit. On ne peut pas faire, il n'y a pas de crédit. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour que la recherche africaine se fasse en Afrique, pour les Africains, pour la cause africaine. Mais il faut comprendre qu'est-ce que la recherche. Mais jusqu'ici, on comprend à moitié. Et d'où les difficultés que nous avons. Et ma question sur le Kerma. Est-ce que vous avez identifié les statues qu'on a trouvées à Kerma dans le sud? Ah, ouais, Kerma, oui. Oui, je crois que ce sont le professeur Bonnet de Suisse. Hein, c'est bien lui. Voilà, c'est lui, professeur Bonnet de Suisse, qui a trouvé ces statuettes. Mais ils appelaient ça les pharaons noirs. Alors, comme si les autres pharaons n'étaient pas noirs. C'est toujours ça. Bon, c'est écrit. J'ai regardé quelques photos. Je n'ai pas eu le temps de me pencher très sérieusement sur ça. Mais on peut identifier les noms. Ce n'est pas non inscrit. Il y a quelques statuettes qui ont des inscriptions. Donc, on peut connaître. Colleagues, oh. Oui, regardez, bon, les choses, on n'invente pas la roue, c'est des choses qui existent dans l'humanité. Et le plus récent, c'est le cas de les États-Unis, qu'on connaît plus ou moins. Bon. Mais ils ont décidé, personne n'a dit à Franklin de faire. Franklin, il était âgé, ben, il avait 80 ans. Il a décidé, il a pris des jeunes gens, comme Madison, Hamilton, George Washington, autour de lui. Il est venu même faire en France, voir les Montesquieu, voir les Rousseau, voir enfin, les Lumières, comment ils voyaient les séparations des pouvoirs, etc., etc. Bon, il est reparti, bon... Ils ont fait la constitution américaine, oui, American people. Ils n'avaient pas consulté le peuple américain.
Ils ont dit, nous, peuple américain, c'est comment? C'est comme ça que commence leur constitution. Oui, American people, etc. Donc, nous, peuple américain, nous avons décidé de faire ça, ça, pour le bien-être du peuple américain. Et tout gouvernement situé doit servir au peuple, au bien-être du peuple américain. Bon, ils ont fait ça. Ils n'étaient pas au départ tous les États-Unis, ils étaient 13, 12 à 13 États. D'autres avaient refusé. D'autres États sont venus récemment. Mais c'est une, ils appellent ça final decision. Il faut une décision, il faut une décision. Kwame Nkrumah avait décidé qu'on fasse les États-Unis d'Afrique. Bon, les autres, le président Houphouët Boigny notamment, manipulé par De Gaulle, la France, ils ont dit non, 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 faisons d'abord chacun se développe, après on va s'unir. Aujourd'hui, ils s'unissent dans la CDAO, c'est encore retardé les choses, voyez-vous. Bon, maintenant, fais l'union. Bon, Kadhafi, si tu n'es pas musulman, tu n'es pas dans son union. Bon, il met la religion, les mosquées avant. Bon, ça ne marche pas non plus comme ça. Donc, on a loupé beaucoup d'occasions. Il y a des juristes africains, ils peuvent penser comment on fait. Il y a des économistes africains, il y a des hommes politiques africains, il y a des sociologues africains. Il faut imaginer comment nous pouvons arriver à faire des États-Unis d'Afrique. Ça, ce n'est pas extraordinaire. D'autres ont fait. Les États-Unis, d'autres ont refusé, comme l'Amérique latine avec Bolivar. D'autres ont accepté, comme les Américains ont accepté. Il faut faire, parce qu'on a essayé toutes les solutions, comme je l'ai dit. Vous allez faire encore les conférences nationales, vous allez faire encore les partis uniques, les partis, les présidents fondateurs, les tapis rouges, l'économie, la Banque mondiale, Bruxelles, va vous aider. On traîne là. Il faut, comme a dit Madame Afion, il faut casser la glace, il faut casser, il faut faire. Il faut faire, il y a assez de cerveau pour pouvoir penser comment faire concrètement. Il y a des étapes, peut-être la conscientisation. Bon, essayer de faire des conférences, les hommes, les femmes, les jeunes et tout à travers l'Afrique, on organise, on fait des conférences pour éveiller effectivement les consciences, l'idée. Bon, ensuite, il y a cette étape franchie. Bon, vous avez étape de voir comment concrètement aller à cette étape de réellement d'organisation. Je crois que c'est prêt maintenant. Parce que tout le monde a goûté au pouvoir. Tout le monde a vu qu'est-ce que ça amène. Bon, ils sont même fatigués d'être président en Afrique. Oui, tu es là. Ils sont rarement un an en Afrique. Ils viennent se soigner, soit en Europe, quoi. On vient se soigner toute l'année. On reste 2 mois en Afrique. Ça ne les intéresse même plus. Hein? Alors, on ne peut pas bloquer par des gens comme ça. On leur donne des pensions. Tous les chefs d'État donnent des pensions. Les États qui sont là deviennent des États fédérés. Tu peux dire la Californie, c'est comme la Virginie. La Californie est plus puissante, plus riche que la Virginie. Bon, et la Géorgie n'est pas quand même comme le Texas, le pétrole. On n'est pas égalité au point de vue richesse, au point de vue population, au point de vue tout. Mais on est unis. On a un seul drapeau, un seul hymne, un seul président. Un seul drapeau, un seul armée. Il n'y aura plus de coup d'État. On ne peut plus faire un coup d'État puisque tu n'auras pas l'armée. Tu auras la police et la gendarmerie, mais l'armée appartient au président fédéral. Il y a des choses comme ça. Au lieu d'avoir 1000 ambassadeurs qu'on n'arrive pas à payer, les trucs, vous aurez une seule ambassade. Et puis personne ne pourra venir jeter ses déchets. Hein? Et puis elle va enseigner au Ghana, elle va au Botswana, elle enseigne, elle va au Congo, elle enseigne, elle est chez elle. Maintenant, si je m'en vais au Burkina Faso, lui, il est du Congo. Maintenant, je suis chez moi. Aux États-Unis, tu te déplaces comme tu veux, tu es américain. C'est cette conscience-là. Je crois que ces choses vont venir, puisque tout le monde est fatigué de l'Afrique actuelle. On veut l'Afrique de Dubois, de Kwame Nkrumah, de Marcus Garvey, de Cheikh Anta Diop, de Nyerere, de Jomo Kenyatta, de tout. On veut cette Afrique-là. On ne veut plus l'Afrique des chefs. On a tout fait ça. On applaudit les présents fondateurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait en Afrique? Qu'est-ce que l'expérience doit faire encore? Les jeunes doivent dire non, assez, c'est assez. Faisons une autre expérience nouvelle, tout à fait nouvelle. On n'a pas toutes les données. Quand on joue aux cartes, on n'a pas tout. Il y a aussi le hasard, puis on rectifie. Donc on peut avoir toutes les cartes, puis jouer. On joue à peu près à vue, comme ça là. Donc on est assez intelligent, on est, etc. Bon, moi j'avais proposé quand il y avait 500 intellectuels à Dakar. J'avais proposé, j'avais tout de suite, Mandela est président, on s'en fout. Et Jesse Jackson devient secrétaire d'État.
parce qu'il aime se balader, on lui donne ça. Et puis on prend un crédit, il n'y a pas d'argent pour faire les routes, l'industrie, etc., à grande échelle. On demande à la Chine nous aide, et on leur donne du bois, du cacao, ils aiment ça, cacao, cacao, tout. On a l'argent. On traîne trop. Donc, un petit détachement pour une minute, je voulais dire... Je voulais répondre à la question de scientifiques africains. L'Afrique fait des recherches. Les gens travaillent. Qu'on ne vous trompe pas, nous avons un problème des librairies, nous avons un problème de la diffusion des livres. L'industrie du livre est coupée actuellement en Afrique. Il n'y a que la Bible et le Coran. Et le monde extérieur n'est pas indifférent à tout ça. Alors, quand vous n'avez pas la communication, vous ne pouvez pas diffuser les résultats de vos recherches. C'est ce qui vous donne l'impression que les Africains qui émergent sont ceux qui sont en Europe. C'est faux. Je suis formé à Kinshasa. La plupart des choses que j'ai... Même quand je parle de l'Égypte antique, c'est les cours que j'ai donnés dans les années 78 à Kinshasa. Je suis seulement venu approfondir ça. Mais je ne suis pas le produit de l'Europe. Je ne suis pas le produit de l'Europe. Et même quand je suis venu ici, le professeur Mayonga le sait, les autres collègues qui sont là-bas, ils savent que nous avions soutenu la même position à partir de notre formation africaine et en Afrique. Et l'Afrique a créé l'Institut africain d'études prospectives, là où travaillent les deux. Donc, nous sommes obligés, j'ai la mission donc, de contribuer avec les autres à répandre ça en Europe pour que la diaspora noire ait son institut d'État, donc les centres de recherche et de formation des États africains, parce qu'en fait l'INADEP n'était pas un institut du Congo, c'était fondé par les scientifiques africains en 1985, la dernière conférence à laquelle Tchekanta Diop avait participé. Après, au cours de cette conférence, le professeur Obeng était aussi là, au cours de cette conférence, ils avaient pris la décision que les ministres de l'Union africaine, à l'époque ce n'était pas l'Union de l'OUA, avaient déjà décidé qu'on fonde un institut pour penser l'avenir de l'Afrique. Ils ont créé une institution donc de l'OUA, et puis une institution créée aussi sur décision de l'intelligentsia du monde noir, pas seulement donc de l'Afrique. Mais quand on crée une telle institution, ça appartient à qui? Parce que comme le professeur venait de le dire, comme vous n'avez pas les ministres de l'enseignement et de la recherche au niveau continental, pas même un conseiller qui s'en occupe et qui supervise ce genre d'institutions, on en fait une institution nationale, donc du gouvernement congolais, et le gouvernement congolais, quand il conçoit les budgets, se dit, mais pourquoi est-ce que nous devons tout payer tous les professeurs, etc., alors que tout le monde avait décidé, c'est toute l'Afrique qui avait décidé. Les autres disent que les Congolais mettent. Mais je voulais vous dire qu'il ne faut pas perdre l'espoir, c'est faux. La recherche existe, le travail s'est fait, et maintenant les États sont en train donc de créer ces institutions aussi à l'extérieur pour que vous tous, vous puissiez participer, utiliser les bibliothèques et les laboratoires qui sont en Occident et ailleurs, et en Asie, au Japon et partout, pour construire l'Afrique donc de demain. Donc il y a une base scientifique, une base de la recherche aussi, qui est panafricain, il ne faut pas vous décourager, le travail s'est fait. Il y avait une question adressée au groupe de l'organisation. Bon, je peux répondre en français ou en allemand.
Je vais répondre en allemand. Ok. Die Frage war, warum ist unsere Organisation nicht so bekannt? Also ich persönlich bin nicht der Meinung, dass wir nicht bekannt sind. Ich bin nicht der Meinung, dass der Arbeitskraftpanafrikanismus nicht bekannt ist. Ich bin nicht der Meinung, dass das Kongress nicht bekannt ist. Wir haben Teilnehmer außerhalb Deutschland. Wir haben Teilnehmer aus London, wir haben Teilnehmer aus Italien, wir haben Teilnehmer aus Österreich und so weiter. Wie haben Sie es erfahren? Und dass Organisationen zum Beispiel in München von der Afrikanischen Community sagt, die haben nichts davon gehört. Also wir haben einen großen Verteiler. In diesem Verteiler, da sind schon die meisten von den unterschiedlichen Vereinen von der Afrikanischen Community in München, die sind schon drin. Die bekommen die Information. Ich denke, das Problem ist irgendwo anders. Ich werde das Problem anders oder beziehungsweise als eine koloniale Mentalität bezeichnen. Wir haben dieses Problem. Und das müssen wir wahrnehmen, dass wir dieses Problem haben und Lösungen zu suchen, wie wir machen können, um unsere koloniale Mentalität wegzuhaben. Das heißt, was bedeutet das? Oder was will ich damit sagen? Wenn wir haben zum Beispiel im Kongress, wo wir einen Kongress haben, wir zum Beispiel Raulings als Gast hier gehabt. Ich habe viele aus der Ghana-Community hier gesehen. Ja, ich habe viel aus der Ghana-Community gesehen. Als wir zum Beispiel das Kongress an Patrice Lumumba gewidmet haben, dass der Sohn von Patrice Lumumba hier war, ich habe viele aus Kongo hier gesehen, in dem Kongress gesehen. Also ich denke, wir müssen einfach weg auf unsere Kolonialmentalität. Und noch dazu, ja, wenn heute Abend einfach gesagt, das ist, oder heute gesagt, das ist Party. Es ist Party zum Tanzen und Singen. Da werden Sie sehen, der Saal wird voll. Und das ist auch eine Kolonialmentalität, weil man versucht einfach uns zu sagen, dass wir nur tanzen und singen können. Danke. Thank you. And I think that's the note that we are going to end on. Going back to what Sis Afiong said, what are we doing? If we think this is an organization that needs to be better known, if we think that we need to work on raising the consciousness of all people, what are we as individuals doing? Now, unfortunately, we have come to the close of the Q&A time, but I would encourage you all during the break we're about to take to interact with our panelists, to engage with them, and more importantly, to engage with one another. Not just about the ideas you heard here today, but what you're actually going to do so that when we come back for the 6th Congress, we have more progress to report, both in terms of the creation of a United States of Africa, but also in terms of the people-to-people network. So thank you to our panel for being here. A huge round of applause, please. And a round of applause to all of you. And Sis Afiong will close us off. Sorry, just before I forget, I want to say, anybody in the audience that has media skills, you know, media, as you know, is a weapon, you know, for liberation in this 21st century. So folks who have media skills or are interested in media, you know, please let's just exchange, you know, contacts and information and see how we can do some work together, because we need to begin to develop our own media, our own independent, autonomous media. I just want to put that in. Thank you so much. Thank you very much.